Salut tout le monde, il est temps pour une autre vidéo sur le Saga d'or ou le gilet de course Salomon Advanced Skin 12. Cette fois, nous allons vous montrer combien de poches et de compartiments ce Saga d'or a et combien de possibilités il offre pour emballer les choses nécessaires pour la course. Lors du choix d'un sac à dos, de nombreuses personnes font attention d'abord aux poches arrière. Et c'est vrai, ce sont les plus vastes, mais aussi les moins accessibles pendant la course. Ce qui est le plus important est ce qui peut être caché à l'avant. Pour y avoir accès pendant la course sans avoir à s'arrêter et enlever le sac à dos. Commençons par les poches pour les soft lask dents. Et ici, il faut souligner qu'avec le sac à dos, nous obtenons deux soft flasks d'une capacité de 0,5 litres chacun. Et après avoir rempli ces bouteilles, nous obtenons 1 litre d'eau à portée de main. Nous attachons les soft flasks aux poches désignées. Le sécurant avec les boucles spéciales dans le sac à dos équipé. Ci-dessous, nous avons des poches très spacieuses. Des deux côtés, il y a une poche zippée et une poche facile d'accès derrière. Ici, dans ces poches, on peut ranger tout ce qu'on veut manger en courant. J'emballe des petits pains, des pommes de terre, des dattes, des gels, des autres gourmandises de course. Dans les poches zippées, j'ai un téléphone, documents, rouge à lèvres protecteur, les clés de voiture. Mouchoir. À l'arrière, il y a une poche très spacieuse zippée. Et en fait, nous pouvons y ranger tout ce dont nous n'aurons pas besoin régulièrement pendant la course. Nous ne pouvons pas l'atteindre sans s'arrêter et enlever le sac à dos. On peut y ranger de la nourriture additionnelle, des vêtements additionnels. De la couverture isothermique. Il y a une place spéciale pour cette couverture. Et une lampe de poche. Ensuite, en dessous, nous avons un compartiment externe non zippé que nous pouvons atteindre des deux côtés du sac à dos. Et ici, on peut cacher un coupe-vent. Mais, si nous le cachons bien, nous pourrions avoir problème à le retirer sans enlever le sac à dos. Mais cela dépend.
enfin un compartiment pour une poche à eau qui est ici. Selon les informations du fabricant, ce sac à dos contient une poche à eau de 1,5 litres, mais je peux facilement y installer une plus grande de 2 litres. Et cette poche à eau, il faut acheter séparément, mais avec le sac à dos, nous obtenons une feuille isothermique dans laquelle nous mettons une poche à eau et ensemble le mettons dans le sac à dos. Et voilà, c'est prêt. Pour résumer, il y a tellement de compartiments et de poches que vous pouvez emballer pour la course dans probablement toutes les conditions. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez voir comment attacher une poche à eau ou les bâtons de course à ce sac à dos, regardez les autres vidéos disponibles sur notre chaîne. Et si vous voulez être à jour avec notre vidéo, n'oubliez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt.